Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode de Crusader Kings 2 Transylvanie. Pour dire épisode de la semaine du coup, on est lundi. Alors, où est-ce qu'on en était? C'était toujours une situation un petit peu compliquée avec des héritages un petit peu tandax. Gaspard venait de passer majeur. Il était quand même assez prometteur, je trouve, dans le sec. Son père qui est prometteur, mais il est mort, c'est juste. Quoique, non, lui, il est pas mal aussi, il a quand même génie. Maintenant, il est pas dénué de défauts, il n'est que conciliateur naïf. C'est pas génial en soi. Donc, il a toujours pas de fils, mais il venait de. Bon, il a 18 ans, il s'est marié à la princesse Eleanor d'Écosse. C'est encore un beau prénom, ça, je trouve, Eleanor. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on raconte ici? Je peux appuyer des revendications ducales de jure. Je peux revendiquer FR. Ça, c'est une bonne chose. Titre mineur. Oui, ça on verra après. Enfin, après que je vais voir si je sais pas. Quelqu'un dans ma poche. Bourgmestre, on va mettre bourgmestre dans la poche. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Considérez comme assez puissant dans votre pays, qui m'aime pas des masses. Ah, c'est parce que je suis passé dans une autre religion en fait. C'est pour ça qu'il m'aime pas trop. On va essayer d'améliorer celui-là, même s'il est pas un peu pauvre. Bon, voilà. Alors. Donc j'ai des revendications sur, il m'a dit, sur le titre de comté de Temes. Et Temes est là. Mais appartient à quelqu'un d'autre pour le moment. Alors je me suis renseigné pour le truc, ah bah du coup en fait j'ai pas vu, mais mon matériel de domaine est passé à 3 sur 3, donc ça c'est bien. On va pas chipoter trop avec ça. Mais j'ai vu regarder comment on faisait pour. Enfin, il suffit de donner un vassal, ce que je me doutais, mais. Pour que j'arrive à trouver des bons vassaux qui me soient bien fidèles, du coup, pour leur filer des terres. Je pensais en filer à Sunny, mais du coup, je vais essayer d'en récupérer une d'abord. Avant de faire quoi que ce soit. Je peux lever 3000 personnes au total. Mais pour le moment, c'est pas. C'est en 2004. Mais j'y suis pas encore, donc on va attendre un petit peu. C'est passé un peu le temps alors. La situation générale, elle en est où là? Un message. Et d'expert, pouvez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction? Pouvez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction? Nous avons décidé de vous élever au grade de commandant. C'est qui lui? C'est Lian Lich, Walter le Téméraire. Roi de Hongrie, roi de Sicile. Pourquoi pas. Il est mort le gars qui m'aimait pas là, je crois. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, tout le monde l'aime bien maintenant. Sauf lui. Voilà. À la Josse MacDarch est mort de mauvaise santé. Il meurt. Bête. C'était le seul qui m'avait pas. Donc on va pas s'en plaindre en soi. Temes, du coup, ça appartient à qui? Duc Imre de Temes. Lui, je peux pas lui déclarer de la guerre. Non. Pourquoi? Parce que Lorink est indépendant. Et si je déclare la guerre ici, je ne peux pas parce que Duc Imre est indépendant. C'est embêtant parce que j'ai quand même. Je comprends pas pourquoi je peux pas déclarer la guerre même à un compte indépendant parce que, après tout, je veux dire, c'est pas. À moins que ce soit lui que je déclare la guerre, non, même pas. Et moi je suis en guerre avec qui? Se défend contre le calife Moumad, se défend contre Franck le Juste dans la guerre civile pour instaurer la succession partage chalique.
Défend contre le sultan, Gersin, je t'en fous un peu. C'est embêtant vraiment, parce que ici, du coup, c'est quoi alors? Révolte croate. Ça fait partie de tout ça en fait, tout ça. Et des TMS, ils sont en guerre avec qui, c'est quel? Non, on va revendiquer d'autres trucs alors. Poste toi. Faire des revendications à Xanad, ça appartient à qui ça? Xanad contre Miklos de Xanad. Duchesse Margaret Salifrogne. Il parente à moi. Là, ce duché là. Et elle a quoi, duché de peste? Enfin, elle a deux duchés. Déjà. Ça va pas, ça. Peut-être reprendre aussi, de reprendre ce qu'il y a au-dessus, ce qui était à moi à la base. Le duché de Ungvar. On va reprendre celui-là. On va reprendre celui-là et on va se concentrer sur faire dans un premier temps. Je crois que ça va être le mieux. Alors, au niveau revendication. On va récupérer FR. Voilà. Et après, on récupérera. Et on va essayer de récupérer une VAR. On va essayer. Voilà. On passe le temps. Et c'est parti. Je sais pas récupérer le TMS maintenant. La situation évolue ici quand même. Ce serait bien. Alors, mon niveau prestige ça va, ça monte, hein, parce que j'étais quand même vachement négatif au début du règne du gars là, parce que je l'ai pris à 4 ans en plus. Monseigneur, cela va scandaliser d'apprendre que vous avez pris un hérétique comme conseiller. Ouais, c'est pas faux en fait. Est-ce que je peux aller voir éventuellement si je peux pas lui demander de se convertir, le gars là. Ah, il est dans les très mineurs. C'est bon, ouais. Je peux lui exiger une conversion religieuse. Non, il veut pas. Du coup, moi je peux pas le. Il a pas viré. J'ai un titre. Non, ça. Je lui laisse, faut pas déconner non plus. Congé des commandants, oui. Du coup, il me faut ici, il me faut quelqu'un. Lui même vraiment plus. Il m'est fidèle dans l'histoire. On va être Julia, tu feras. Le truc est en tant que régent. Avec qui? Julia aussi, tiens. Voilà. Pour le moment, c'est assez tranquille par rapport à tout ce que j'ai eu comme merde sur les derniers. Je pensais que l'évêque Grégory était un homme raisonnable et j'ai retrouvé sa demande d'autorisation pour un duel légèrement fantasque. L'évêque Grégory prétend être la victime d'affronts permanents de la part de son rival et de demande de permission de défendre son honneur. C'est mon évêque, autorisé le duel.
fait, non, j'en fous. Hop, voilà, comme ça on s'en débarrasse. Et plus d'avoir des problèmes de conflit. Je dois faire confiance au maréchal Ernaud pour entraîner mes troupes et mater la révolte, mais il ne semble pas à la hauteur. Ernaud doit se ressaisir. À défaut de quoi, il doit trouver un autre maréchal. Ah ouais. Ernaud. Que j'ai pas mieux que lui, éventuellement. Et t'as 10, ouais, j'ai pas mieux, hein, c'est ça le problème. Ça me manque. Faudrait que j'essaye de retrouver. Je... On m'avait expliqué dans les trucs YouTube comment trouver des gars qui sont intéressants, mais je ne sais plus comment on faisait. C'était. Trouver un titre, une région, trouver des personnages, peut-être aussi. Ah voilà, voilà, voilà. Bâtie de princesse d'Angleterre, 40 piges, même bien. Adhémar, 63 ans, un peu vieux quand même, 35 Attila, maréchal de Sirte. Invité à la cour, le bon. Allô. Duc de Apuli, commandant de Apuli. Et lui, il voudrait bien. Non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un filtre pour permettre de trouver des gens qui seraient intéressés? S'exposition titrée, portée diplomatique. Adulte, au lignage, toute culture, toute religion, changer de filtre, trouver les filtres, changer de cours. Et elle, si je. Non, en fait, ça c'est Mako. Non, je peux pas. Ça traite pas, oui, c'est moi-même. Ou c'est pas ça, pas comme ça que ça marche. Comment est-ce que je peux faire pour trouver des gens qui seraient intéressés par venir. Ah, le 7 il a celui-là. Tcha. Les gens ne sont pas intéressés, évidemment. Comment est-ce que je peux faire pour Ah, peut-être comme ça. Rendre court. Ah, ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Essayer un petit peu, voir si ça donne. Un Irlandais, tiens. Hop. Voilà, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Oui, demande du Caspar, j'accepte votre invitation, je rejoins votre cours, c'est bien. 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 Parfait. Voilà. Non, j'ai pas envie d'être un maître espion, c'est dangereux. Du coup. Il y a moyen de faire mieux maintenant. Oswald. Devient le chef ici. Prendre des troupes, du coup. En niveau intendant, je crois que Jola, il serait bon, pas besoin de chercher. Il y a 14 heures.
Ici. Du coup, ouais, bah, j'ai fait mon rougier. Dans les bons 20, 21, 17 pour mon chancelier, c'est pas dégueulasse quand même. On va laisser comme ça. Membre du conseil inoccupé, pourquoi? Hein, je peux pas aller là? Je peux pas l'envoyer là? Je peux pas l'envoyer. Je peux pas l'envoyer là. Vraiment. Par exemple, Jula essaie de me convertir à son hérésie. Non, mais non. Hop. Oh, dommage. Alors... Julia et la princesse Mathilde d'Angleterre ont donné le sens à leur fille Esther. Alors... Donc, bah, une fille a atteint l'âge légal de majorité et est devenue négociateur charismatique. Ok. On va lui arranger un petit mariage à celui-là. Quoi? Mais j'ai pas envie de... Ok, je suis incroisé moi. Ah, c'est pas mal en fait. Pas mal du tout même. Alors, les fiancés peuvent se marier, oui, vous voyez. Accepté, bien sûr, hop. Une bonne chose de faite. Bon, on a des conseils inoccupés, bah oui, toujours, en fait. Pas l'envoyer là, c'est bizarre, quand même. Bon, bah du coup... Bah oui, on s'est intrigué, si c'est un réflexionnel que je dois faire, pas ici. Bah non, ça marche non plus. Et enfin, mais enfin. Ah voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon, vous pouvez répondre aux revendications duquel de jure, ouais, ça on y est pas encore. Toujours occupé à essayer de piquer fer. Je vais quand même voir si je trouve pas un... C'est vrai qu'il faut pas déconner, c'est quand même le plus important. Oui, qu'est-ce que j'ai de plus important là-dedans? Chancelier de Brescia. Ten. Les offices. C'est un suédois aussi. Tant. Invite à la cour, il veut pas. Hop. Désolé, Balint, mais. On a besoin de quelqu'un. Très très fort à ce niveau là. Ok, des revendications à faire, voilà. Moi, je crois que je commanderai à voir quelques trucs sympatoches. Combien de chances j'ai par tour de revendiquer? 19,38 par an, ça va, c'est pas mal. Poste vacant en conseil. Chaplin. Bah ça le... Oui, si, ça le monte. Hop, voilà. La parente Magritte continue de demander d'appuyer la revendication. La revendication sur Bolgar pour la gloire de notre dynastie. Bolgar. Septante balais. Bolgar.
Ah, la queue d'elle en plus. Bien, voulons. Pas enfin, casser la tête à l'autre bout du pays. Relations religieuses, je vais aller améliorer ici à Rome. Voilà. Qu'est-ce pas Jack il meurt aussi. Mon grand-père. Enfant sans tuteur. Evan McDarch. Signer un tuteur. Ok, vous voyez. Parfait. Quoi, il ne penserait pas à faire des gosses, lui. Très bien, quand même. Indication de tout ça, peu de boulot là. Toujours rien spécial là, nouvelle année, non. Intrigue, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Menace, trop prisonnier, j'en ai 4. Même pas trop d'ailleurs. Prison depuis 10 ans, la pauvre. Et pour des mecs, ok. C'est quand les chasses là? Il faut faire. Septembre. On va attendre septembre pour le faire alors. Petite chasse. Cette expérience martiale s'est accrue désormais, votre comportement sur le champ de bataille s'en verra modifié, sur quoi vous concentrez-vous? Je suis concentré sur la cavalerie. Alors, votre canon martial s'est accru. Voilà, j'ai les deux. C'est bien ça. On va lancer une petite chasse. Chien en forêt sanglier dans la forêt, c'est l'occasion de tuer un de ces grands animaux. J'ai pas peur, je suis blessé, ouais. Mon cheval est mort. La partie de chasse est terminée pour le moment, ce fut une noble entreprise et un vrai défi pour la compétence martiale. Parce qu'ils disent en prestige, c'est tout. Bon, pas terrible. Il serait quand même temps que... Temps de faire des gosses, quoi. Génial.
Ouais, cadeau. C'est plus encline à faire des choses. Ah, je peux aussi en demander cette technologie, voyons un peu. Améliorer ma cavalerie, go. Donjon amélioré, faut que ça monte plusieurs choses. Ok. Et ici, doucement, doucement, doucement. Opinion de la part des vassaux nobles, plus 6. Opinion de la part des vassaux. Ah ouais, majesté. Et invention en piété, ça augmente. Prestige, ça augmente. De légalisme, voilà. Moi, si je peux pas je peux améliorer mon truc, après tout, je ferais que je pourrais commencer à penser à améliorer tout ça. La question, ça monte un peu, là ça demande la taille des levées, oui, on va faire ça. Du coup. Même le temps. Je peux faire d'autres. Il y a d'autres ici. Ici, fortification du temple. Taille de levée plus 10%. Crédit militaire, force du lourd. Donc on va faire ça. Voilà. Donc ça sert ça. Ici, je peux construire un truc aussi. Un château. C'est un temple. Ouais. Chose à peut améliorer un peu partout en fait, donc on profite du pognon que j'ai. Voilà, des petites améliorations. Peut-être encore essayer d'adapter et adopter la culture hongroise, c'est bien. Ah, stop! Je viens de voir que Temes était revenu chez nous. Du coup. La quête d'invasion, le chef d'une religion a le pouvoir d'accorder le casse du bélier. Je peux pas faire lui. Peut-être faire son seigneur. Je ne peux pas parce que. Oh, le pays autorise les guerres face à l'interne, on peut pas. Et je fais comment moi du coup? Ah oh, merde, ben non, il va m'exploser la tête. Et comment on fait alors si on peut plus faire des guerres à l'intérieur du pays? Punaise! Ah, j'ai des revendications dessus, merde, fais chier. Ah, merde. Décidément, c'est compliqué. Hein. Vraiment, le jeu est vraiment pas évident quoi, quand tu... Je suis encore vraiment au début de mon apprentissage. Si je peux pas le faire. Comment je peux gérer ça? Un des défis éléments peut être vrai, pierre, t'as un vice, t'es non. Titulaire, titre principal. Autorité absolue du conseil, monarchie élective, ouais, tout ça. Attends. Autorité absolue du conseil, c'est quoi ça?
pendant au moins 10 ans, est en paix, aucune régence, le titre. Le souverain à chaque vassal de rang inférieur, à savoir les ducs, ouais, peuvent nommer un successeur et légitimer les enfants ou les frères et les sœurs du souverain. Les ducs sont des électeurs dans les royaumes comme les empires, la succession élective est très appréciée des vassaux. Les règles de succession à l'inverse de la primogéniture n'est ici commune dans le cas du plus jeune enfant qui devient héritier. Oh non, c'est nul. Par quoi que c'est pas plus mieux, ouais. Terrible tout ça. Là ça augmente ma taille de domaine. Alors. Yep. Je peux monter là, mais c'est pas hyper intéressant. Ça, je peux rien faire de toute façon. Voilà, bon. Du coup. Si je peux pas. Avoir des revendications là-dessus. Est-ce que je peux éventuellement. Oui, mais ça c'est pas grave, je suis indépendant, ok. Donc, ça veut dire que je dois déclarer la guerre à lui. Mais. Je sais pas de classe de bélier, donc je dois. Avoir des revendications sur Sèvres. Donc, on va faire ça hein, du coup. Ah, c'est chiant, comment est-ce que je dois. Enfin, j'irai voir comment faire. Pourquoi est-ce que je peux plus avoir de guerre vassale entre vassaux. Et je me rends compte que l'épisode fait déjà 33 minutes, donc on va doucement arrêter là. Depuis déjà 2 heures. Moi j'enregistre et que j'ai des choses à faire cet après-midi. On va terminer la journée. 29. Titre mineur, on va peut-être vite cerner mes titres là. J'ai deux postes de commandant à pourvoir. À toi tu peux en avoir un, comme ça tu montes un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai encore? Ah tiens, mon chancelier. Forcément, l'opinion monte un petit peu. Bon, c'est un épisode assez calme au final. La Russie, elle est là. La Russie, elle est énorme. Tant pis, on se fait un peu morceler de partout, là. Alors, on rit, on est au mieux tous merdiers. Mais ça va, ça tient pour le moment. Mais il faut quand même méfier, parce que les Russes, là, sont quand même bien, bien là. Et mine de rien, on n'est pas à l'abri. Du coup, là, je vais essayer de choper Séverin. Et puis, on verra bien. Ou alors, je ferais peut-être bien de prendre celui-là. Bonne question, tiens. Non, je vais prendre Séverin parce qu'il est bien isolé. Même je m'expose à l'Empire Byzantin, mais je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter que moi. Donc voilà. On va donc en rester là pour cet épisode-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ciao!